Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pierre. Où habites-tu? J'habite à côté d'Orléans, à Saint-Nerval. Et quel âge as-tu, Pierre? 21 ans, depuis le 20 octobre. Voilà. Que fais-tu aujourd'hui? Quelle est ta situation? Je suis en foyer de vie, donc c'est un foyer où on fait des activités. D'accord. Et pourquoi en foyer de vie et pas en Parce que CAT? j'ai un manque de concentration, donc du coup je peux pas aller au travail pour l'instant. Est-ce que tu te plais dans ton foyer? Ah bah oui, beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, donc oui, c'est super le foyer de vie. Ça change. Est-ce que tu te sens bien là-bas? Oui, ah oui, je me sens très bien là-bas. Quel est le nom de ce foyer de vie? Foyer des Tisons. Et quand est-ce que tu as intégré ce foyer? J'ai intégré au mois de juin, septembre, le, je sais plus combien de septembre, le 9 septembre 2019. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimes faire là-bas? Ah bah, faire la cuisine, parce que la cuisine c'est important pour plus tard. C'est très important d'apprendre à faire à manger pour quand on sera plus grand. Faire le journal, donc pour parler de certaines choses qui se passent à la télé, tout ça, donc des articles qu'on fait sur les ordinateurs, c'est une activité avec les collègues et tout ça. Voilà. Je fais une autre activité. Bon, après il y a des activités qui me plaisent pas, donc le chant. Le chant, je suis pas du tout chanté, donc ça me plaît pas du tout. Voilà, je fais aussi danse. Alors la danse, j'adore ça. Ça me fait penser au hip-hop quand j'en faisais, donc c'était très bien. Et sinon, non, franchement, le foyer là-bas, c'est parfait. J'espère que je vais y rester longtemps. Et voilà, hein, l'avenir. Et qu'est-ce que tu préfères? Ah là, c'est difficile. La question que tu me poses, là, elle est difficile. Qu'est-ce que je préfère là-bas? Oh putain, c'est dur là. Tu me poses une question. Bah la danse, déjà la danse, parce que voilà, j'en ai fait. Et la cuisine, parce que je suis avec un prof qui s'appelle, je suis avec un éducateur qui s'appelle Jack, et qui est très gentil. Donc je m'entends très bien avec lui. Donc, est-ce que tu es content finalement de ce choix qui a été fait, de cette direction qui a été prise vers un foyer de vie plutôt qu'un ESAT pour le moment, un CAT pour le moment? Oui, mais j'aurais voulu quand même essayer, j'aurais voulu que ma concentration ne soit pas comme ça, que je puisse travailler. D'accord, mais ma question est, est-ce que finalement tu regrettes d'être en foyer de vie? Non, pas du tout. Non. D'accord. Voilà, pas du tout, je peux pas regretter. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Pierre. Bonne journée. Bonne journée, au revoir tout le monde.